Après, s'il y a un devoir d'effort de toute la société, pourquoi il n'y aurait pas les footballeurs, enfin les clubs en particulier, à partir du moment où les sociétés sont aussi sujetties à tout ça, et puis les privés aussi. Donc, pourquoi pas le foot ? Sur la forme de la grève, je pense que c'est vraiment pas une très très bonne idée de priver les gens de leur spectacle favori, de leur sport, et de les embringuer de force dans l'histoire en les sanctionnant eux les premiers.